Ok Edith, c'est Alfredo, technoroquier, hashtag Tavernurse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, d'accord, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire du Rey Pierre Séban, et pour marquer le coup avec l'autre Rey, Rémi, on a décidé de reproduire à l'identique la fameuse recette du gâteau d'anniversaire d'El Pueblo, d'accord. Donc vous pouvez vérifier, hein. On a pris exactement les mêmes ingrédients que dans la recette originale. No fake, hein, vous pouvez vérifier sur la vidéo. C'est exactement les mêmes ingrédients. Je précise, no fake, hein, je précise que le Rey, Rémi et moi-même, on est allé jusqu'à Vendargues chez le premier Leclerc, magasin Leclerc, pour faire tous les ingrédients. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons... le moelleux, marque repère, vous pouvez vérifier, hein, c'est exactement le même que dans la vidéo. Du chocolat noir Eco Plus, 70% de cacao. Des framboises. Le beurre Eco Plus spécial cuisson. Et un paquet de fraises. D'accord. Ok, donc première étape, je vais commencer par préchauffer mon four. Je vais le mettre thermostat 150 et je vais laisser pendant 20 minutes. Donc pour commencer, je vais prendre mon beurre Eco Plus et avec un couteau, je vais en mettre un petit peu sur le moule afin de bien beurrer le tout. Ok, donc là on peut voir que j'ai bien réparti le beurre de façon homogène. C'est parfait. Maintenant, je vais prendre mon gâteau. Et ensuite, je vais étaler le tout. Ok, donc on peut voir que j'ai bien sorti le tout, non sans difficulté. Maintenant, avec la fourchette, je vais bien étaler sur les bords afin que l'ensemble du plateau soit complètement recouvert. Ok, donc là, on peut voir que c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre dans le four. Pendant que le gâteau est en train de cuire, je ne perds pas mon temps. Je prends mon chocolat Eco Plus et je vais le mettre en petits morceaux dans ce bol. Ouais, donc on peut voir que j'ai pris énormément de chocolat pour faire un nappage consistant. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le micro-ondes. Et je mets pendant 2 minutes. Ok, bon, ça sentait un peu le cramé, peut-être que j'ai laissé un peu trop longtemps, mais c'est pas grave. On a exactement la consistance qu'on recherchait. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Et ensuite, on pourra fourrer, napper le gâteau. Ok, donc comme on peut le voir, le gâteau est cuit. Donc maintenant, je vais venir prendre mon chocolat et doucement l'étaler sur le gâteau. Ok, donc le nappage a été effectué, c'est parfait. Maintenant, je vais mettre au frigo le temps de solidifier tout ça. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Ben, je perds pas mon temps, frérot. Là, j'ai pris le couteau Lagioni et avec ce dernier, je vais pouvoir découper tranquillement les fraises. Ok, l'élite, donc maintenant le gâteau est prêt. Je vais pouvoir passer au second nappage avec... la confiote Eco Plus, voilà, j'avais oublié de la présenter tout à l'heure, mais elle est bien là. Voilà, donc on peut voir qu'elle est bien liquide comme il faut. Je vais donc en prendre une bonne cuillerée et je vais étaler sur le tout. Ok, donc le nappage a été effectué. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter les fraises et ce sera parfait. Ok, Lilith, donc on peut voir maintenant que le travail est terminé. Voilà, bon, j'ai manqué un petit peu de fraises, donc il n'y aura pas exactement le même nombre que sur le gâteau original. D'accord, ça j'assume complètement mon erreur. Mais j'ai quand même essayé de reproduire la disposition. Là, vous voyez, vous avez un premier cercle de fraises, d'accord, et un deuxième. El Pueblo, lui, il a mis 2 cercles et demi. Moi, j'en ai mis que 1 et demi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez voir également le cercle de framboise et le centre qui recouvre le deuxième cercle de fraises de framboise. D'accord, c'est parfait, c'est magnifique.
Voilà, je fais une petite vue panoramique pour que vous puissiez profiter de mon travail. Et donc maintenant, on va se retrouver prochainement pour la dégustation en compagnie du Rey Pierre Séban. À de suite, Lilith. Ok, donc maintenant, place à la dégustation. Je vais prendre d'abord le citron. Parfait. On sent bien le goût du citron. Je vais essayer de prendre la framboise. Et déjà, c'est là qu'on a bien pris en main un petit. On n'a jamais lâché en fait. Parfait. En plus, parce que là, apparemment, ils sont en train de tout. Parfait. C'est un pote qui m'a dit ils sont en train de tout. Ça passe en bouche. Mais tu dégueules? Attends, moi je dégueule aussi. C'est un bon jeu. Il fait des développements de super bon. De la c'est vraiment de. Un peu bleu, c'est pas si moteur. Ouais, la rapidité du moteur. Ouais, voilà, c'est ça. Le gâteau de marche est vraiment pas mal. Mais du coup, il est hyper content. Moi, je trouve qu'il est hyper content. Le meilleur des. Par contre, c'est au Danemark. C'est un peu moins. C'est bizarre. Il y a une opportunité au Québec, il y a pourtant. Mais bon, déménager au Québec. Ouais, c'est bien, c'est que. Attends. Si jamais on n'aime pas, on peut. Vas-y le Ray. Dis-moi, qu'est-ce alors, que tu alors, penses? Alors là on dit. C'est ce côté ça, je pense que plus ce côté, je sais pas. Après, en soi, au Danemark, t'avais tout un bonne meuf. Parce qu'en France, hein, franchement, présentation, zéro. Cependant, ça a été abîmé dans le trajet, hein, je précise. Ouais, mais même déjà avant t'écrire tout ça, c'est pas possible. Moi je t'envoie là. Mais c'est bon. C'est bon. Et ce qui est bien, c'est que en fait, on a vraiment la possibilité de jouer avec la chose, étant donné qu'on a soit mangé le gâteau, avec les fruits. Et là, vous avez combiné donc du citron avec du chocolat, toujours un très bon mélange. Bon, les fruits peut-être prennent trop la saveur. Donc si jamais vous aimez pas le gâteau de base, vous pouvez manger les fruits avec. Parfait. Et comme ça, on prend les fruits. Ça rend lourd. J'accepte la fraise. La fraise et la framboise sont très bons. Et oui, après c'est lourd, c'est très sucré. Un peu acide, hein, j'ai entendu des critiques. Ouais, ça c'est le citron aussi. Si t'as pas de citron, t'as pas de citron. Eh oui. Ouais, c'est un peu vieux là. Pour balancer, tu vois. Contrebalancer. Oui, c'est ça. Quelqu'un a un autre avis par rapport à ce qu'il dit. Et après, il est autre avis. Il est très acide. Déjà, entre le temps, c'était assez acide. Là, je t'ai regardé manger tout à l'heure, j'ai vu que ça. Ça allait pas. Ça laisse manger. Ouais, ouais. Il y a une juxtaposition illégitime de. C'est le citron, le chocolat, ouais. La framboise. Mais ça se mélange. Ça se mélange. C'est particulier. Ça va être un meilleur.